Ça le mettre en tout. Oh, c'est meilleur. Bonjour Gamix, bonjour Injoku. Putain, les chargements par contre sur PS4, tu dois être bien long, surtout le premier. Ils sont où? Y a pas de garde? Non, ils ne viennent pas de ce côté-ci de l'île. Regarde, c'est le bateau de Lev. Oh, il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va? Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin? De l'autre côté de l'île. Merde. Et si on se fait repérer? On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. Salut, c'est Shiasama. T'es sûr que les Wolves vont attaquer cette nuit? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? Au point où on en est? À n'importe quel prix. Vous entendez bien le jeu, c'est bon? Natamaniac et... Oh. Et je sais plus qui, vous avez des trucs aux oreilles? C'est le pirate. Salut, Jules Leroc. T'as grimpé une échelle à une main, ça n'a pas été évident. Non. Excellent. Excellent. Et donc ça va pas mal. Prêt à finir, ça va se partout. Donc je rappelle qu'à la fin du jeu, je vous annoncerai le thème des prochaines sagas. Vous aurez du temps pour les proposer, étant donné que le vote sera le mercredi 17 février. Mercredi prochain, c'est les OS Games, thème Shoot Them Up, aka Shmup. Ça s'appelle Ron et Shmup. Hein. Oh, sympa. Donc n'hésitez pas à proposer les jeux dans les OS. Est-ce que tu le connais? Juste de vue. Je suis désolée. Pour tes amis. C'est comme ça. T'as que pendu et trippé, c'est quand même pas ouf. Hein. Salut Harry Jar. Et demain, l'air dessiné de Red Duver. Scott et moi avons débarqué sur la côte vers 3h. Les renseignements du détenu se sont révélés utiles pour une fois. Aucune résistance directe à la recherche d'un point élevé pour nous repérer. Plus grande concentration de structures du côté sud, ferme au nord et à l'est, et ce qui semble être un camp de bûcherons. De plus petits amas de structures parsèment l'île, tout en bois, post-épidémie. Ces tarés font pas les choses à moitié pour s'isoler du continent. Prévoyons de nous rapprocher d'un de leurs villages. 10h15, attendons la tombée de la nuit, dans une vieille bâtisse au centre de l'île. Les Scars n'ont pas encore rasé et reconstruit ce secteur, potentiellement un bon point de rendez-vous. Ils sont effroyablement nombreux, ça dépasse de loin ce qu'on imaginait. Village fortifié, patrouille fréquente et bien régulée. Nous avons recueilli plus d'informations que prévu, reboussons chemin. De retour au point de débarquement, avons trouvé notre bateau sabordé dans l'océan, complètement détruit. Ils savent que nous sommes là, devons trouver un autre moyen de quitter l'île. Abby, ils n'ont jamais réussi. Pourquoi est-ce que tu nous aides? Ah, moi j'aime beaucoup pour le coup de Jodlock, c'est tout l'intérêt du jeu. Pour une fois, tu peux savoir pourquoi, en l'incarnant, pourquoi une personne a fait telle ou telle chose. Ce qui a fâché une grosse partie des joueurs, c'est qu'une grosse partie des joueurs ont des gros problèmes à gérer leur colère et à connecter leurs neurones. Mais bon, rien d'œuf à l'horizon. Ah non, pourquoi ça a pas... Attendez. Non, je vais faire la conversation. Attendez, oui. Pourquoi est-ce que tu nous aides? Lev m'a posé la même question. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. Ok. Ah, et putain! C'est une île vivante! Oh, bordel! Wow. C'est votre village?
Non, ça c'est Verne. Le nôtre est plus loin dans les terres. Ah, c'est plus grand que ça, là ? Pas. Oh la vache. Pour être repéré. C'est, les deux sont les antagonistes, en fait. Si on doit vraiment comprendre Last of Us, c'est qu'il n'y a aucun protagoniste, il n'y a que des antagonistes, justement, qui s'opposent. Pas si vous voyez la nuance. C'est quoi, ça ? C'est notre signal d'alerte. Les Wolves sont là. Toute l'île est en alerte, maintenant. Il faut qu'on se dépêche. Tu fais chier, Isaac. C'est ça, la force du bordel. On va passer par le camp des bûcherons. Faut quand même être sacrément con pour penser, mon dieu, je veux pas jouer à Abby, elle a tué Joël, ouin. Et combien de soldats ? La moitié d'entre nous a été entraînée au combat. Et que fera l'autre moitié quand les Wolves vont débarquer ? Certains iront se cacher, mais les autres vont se battre. Putain, ils sont 1000. Et de ce qu'on a vu des Wolves, ils étaient pas 1000. Hein. C'est ce que je dis justement, Oxarde. Un antagoniste, c'est le. Ils font. Entre guillemets, c'est les deux sont des personnages avec des torts, quoi, faire ça. Les WLF ont leurs torts, les Scars ont leurs torts. Ellie a beaucoup de torts, Abby a beaucoup de torts. Ils font juste ce qu'ils peuvent dans ce. C'est ce que ça nous explique, ils font juste ce qu'ils peuvent dans ce monde. Ils sont allés se battre. Puisse la lumière nous guider dans la tempête. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis ? Un truc que mon père disait souvent. Il aurait été moins bien pour le coup. Si on n'avait pas incarné Abby, ça aurait été beaucoup moins intense émotionnellement parlant. Ça aurait été déjà beaucoup plus classique. Bon, écoute, ça va. J'ai presque trop de petit déjeuner là. Oh, excusez-moi. Ah, trop gros petit lèche. Tu veux qu'on aille où, putain ? Ah, ok, j'ai compris. Trop gros petit lèche. Dure vie. Ah, j'ai vu un truc là. Hop. Hop. Petit kit de soins au cas où. Et on va se faire aussi un petit. Bon, j'ai pas beaucoup de balles pour l'instant, mais bon, on va faire avec. Et apportez-les dans l'abri! Vite! C'est pas bon. Salut, iPod! Comment on peut passer? Le portail sera fermé. Par la Syrie. Le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur ? Oui, on peut couper par là. Parfait. Bien. Fermez le portail ! Verrouillez le camp ! Un autre cruche. J'ai vu un arbre. Puisse-t-elle protéger ? What ? Ah oui. Merde. Je crois qu'elle m'a dit un truc, l'ami. À notre gauche, j'ai vu quelque chose. J'aurais peut-être dû écouter la gamine avant de foncer comme un couillon. Aïe, aïe. Elle est... Protégez le camp ! La Syrie ! Tu vas nous ramener ! Non, là, c'est bon. Attendez. Refuse, non, je refuse, là. Parce que là, c'est horrible. Allez, tuez-moi ! Ah là ça a été, non, je refuse. Là c'est je refuse, je suis un débile, on n'est pas débile ici, en tout cas on essaie de pas l'être. Je refuse. J'ai fait du Google. La nuit promet d'être longue, n'oublie pas, c'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. Pour le bien de ton peuple et de ta terre, tu le sauras. Quand le moment sera venu. On s'est paniqué. Ok. Donc là, on va aller chercher donc Lev. Vers la droite. Ouais, vu, ok.
Mais non. Wolf, dans le village. Putain. Protégez le camp. Bon, tant pis. Va à la Syrie. Tu vas nous le payer, Yara. Je pensais le one shot, mais bon. Je l'ai pas one shot. Ma tristesse est grande. Hey, à notre gauche. Ouais, à la discrétion, il y a encore du boulot, hein. Allez, montre-toi. Putain, ils sont nombreux, c'est con, attendez. Ça pue du cul, là. Non, là, ça pue du cul de ouf, là. Zéro balle. On va pas y aller au lance-flamme, bordel, contre eux. Ah, désolé les gars, mais bon, vous me laissez pas le choix. Vous me laissez pas vraiment le choix, les gens. Je suis désolé. La discrétion. Oui, bah, hein, tout se passe pas comme prévu. Voilà. On va dire que tout s'est pas passé comme prévu dans mon plan sans faille. Il y a eu finalement quelques trous, quoi. Il y a eu des failles. Il y a eu des failles. Voilà, bon. Il y a eu quelques failles au final. Vite fait, tu vois. Où ça? Mais où? Mais il est où? À gauche? Il y a un connard. J'entends un sac à merde qui siffle, mais je... Ah. Ah putain. Oh non, mais non! Oh putain. Ah, c'est Yara qui l'a tué? Oh bordel. Encore. J'ai vu un fusil! Ouais, je le vois, 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 je le vois. Désolé. Je suis désolé. 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 Sorry. Désolé. Je suis désolé les séraphites. Au final, on est juste en train de s'en occuper avant les wolves, quoi. Hein. Au final. Tu ferais mieux de courir. Ah bon? Ah! Je crois que c'est fini. Oh, la jambe. Oui. Est-ce que ça va? Oh, bordel. Oui, juste un peu essoufflé. Oh, bordel de cul. Oh, la vache. Ah ouais, cette violence, quoi. Aïe, aïe, aïe. Eh ben... Bon. Bon bah le plan sans accro a eu quelques accros, hein. Alors techniquement infiltration réussie. Si tout le monde est mort, il n'y a plus de témoins, vous voyez. Bon, on peut dire que tu as fait une Joël. Oui, un peu. Alors Joël, il avait encore un bout de mollet. C'est juste le genou qui avait disparu techniquement. Si on doit être très factuel, il avait perdu le genou. Bon, il était foutu, hein, fallait amputer la jambe. Mais techniquement, là on a quand même, c'est un clean plus précis, tu vois. Là, l'amputation est déjà faite. T'as juste à couper les bouts, quoi. Voilà. Pour oh, le truc un peu mieux. Joël, c'est juste que tout ce qui est la partie genou, rotule, etc. Ça a fait salut, bisous. C'était assez horrible d'ailleurs. C'était assez horrible pour le coup. Putain de merde. Juste elle nous protéger. Yara, il faut y aller. Ils sont quand même... Isaac, qu'est-ce que tu fous? Il va mener les WLF à sa perte.
peine. Ils sont sur notre territoire. Donnons-leur ce qu'ils méritent. Oui. Par la force de son amour, nous survivrons. Ah, c'était quand même pas un ami, bon. Mais ils sont où, ces cons? Par où, maintenant? On va passer par le chalet, droit devant. Ah, les a tués? Yara, au camp des bûcherons. Ils sont où? Ah, putain. Où est-ce qu'ils emmenaient, les enfants? On a des abris un peu partout. Si jamais ça tourne mal, ils vont quitter l'île. Tant mieux. On savait que ça arriverait. C'est vrai que là maintenant, tu vois qu'on a avancé, moi Joël qui soit mort, je trouve pas ça... Est-ce que c'était peut-être un petit peu mérité quand même, tu vois? Compliqué. Salut Eric Kronos, comment vas-tu de Pierre? On peut peut-être dire les choses, vous voyez. C'était... C'était peut-être un peu... ouais, un peu mérité quoi. Peut-être que Jojo, il était peut-être pas si... voilà. Il était peut-être pas si Jojo. Oh putain. Spécial de l'humour, là. Alors... Ah, petite lettre. Oh putain. Nous sommes des êtres imparfaits, et ainsi nous nous rendons imparfaits à ses yeux. Tels sont les enseignements, telles sont les paroles des anciens. Mais les entailles dans mes joues me piquent toujours, 2 semaines après la cérémonie. Eva m'a dit que les siennes aussi, mais elle m'a conseillé de ne laisser transparaître aucune faiblesse devant les anciens. Surprise cette nuit, Eva a fait le mur pour me rejoindre à la tannerie où je faisais le ménage. Elle m'a dit que sa brigade partait demain en territoire Wolf. J'ai bien vu qu'elle avait peur. Alors on est resté assis un moment à regarder le feu. Elle m'a demandé si j'étais déjà en promesse. Avant que j'aie pu répondre, elle m'a embrassé la joue et s'est éclipsée dans les bois. À cet instant, j'ai oublié où j'étais et tous mes tracas se sont envolés. La brigade d'Eva n'est pas encore revenue. J'ai fait un tour au dîner communal à Haven pour me changer les idées, mais en vain. L'ambiance était normalement calme, en dehors du serment habituel de l'ancien Duncan. Quoique, là aussi j'ai entendu une différence. Il nous a dit, bien que notre prophétesse nous guide pour purger les démons et rétablir l'équilibre du monde, nous n'en cueillons peut-être pas les fruits de notre vivant. C'est une lutte éternelle. Tout cela me donne beaucoup à réfléchir. Faut pas trop réfléchir. Ah, si je peux crafter un soin. Putain, je crafte un soin et ça a tout pris. Hein. Quel enfer. Ah, il y a plein de trucs là, attendez. Oh là là, yes, munitions de fusil à... Ça c'est cool ça. Ah, petite flèche d'arbalète. Ah, l'arbalète c'est vraiment la tête où... bon après non, ceci c'est pas choquant que ça one shot pas, tu ça tire pas dans la tête. Hein. Ceci dit, alors... Capacité, cadence de tir. Tiens, je vais juste améliorer ça. Voir si ça débloque un trophée pour la curiosité, hein. Je vais... C'est une arme. Ah bah tiens, ouais, voilà. Je me posais la question justement si est-ce qu'on améliore une arme à fond, ça débloque un trophée. La réponse est oui. Petit trophée d'argent en plus, hein. C'est... Je m'éloigne de toi à côté trophée, Pookie. Hein. Pour être resté devant toi en termes d'or, d'argent et. Bon, bronze, ça. Alors. Hop. Voilà, putain. Ouais. Bon, là, faut quelques runs, je pense. Hein. Ou alors, c'est faisable en un run. Non, ça sert à rien de faire un silencieux, sachant que. Par contre, ça, je peux faire quelque chose avec ça. Attendez. Ah, j'ai tout amélioré ici, tiens. Je crois que je voulais améliorer, oui, c'est ça. Ouh, indurabilité en plus pour les armes de corps à corps améliorées. Stylé ça. Oh, tuyau explosif amélioré. Nice. Ah, ouais, c'est pas mal aussi, celui-là. Oui, il y a un run, putain, début de run en NG+. Notre village est de l'autre côté de ces champs. Parfait. Ok, ok. C'est vrai que t'as un NG+, hein. Qu'est-ce qu'on a? Tu vois la grande tour? La Space Needle? Quoi? Ouais, je la vois. Il y a une grande tour? Ah oui, ça y est, je la vois. Ah oui, putain, c'est pas le truc de Man in Black, ça? Je sais plus. You got a Man in Black. Ouais, c'était mal chanté, mais vous avez reconnu Man in Black. Notamment parce que dans les paroles, il y avait Man in Black.
Bon, ouais, non, là, décidément, l'infiltration complète, ça. L'ennemi est dans le champ de maïs. J'ai encore du boulot côté infiltration, hein, j'en ai conscience. Tu sais que tu peux les éviter. Hein. Putain! Ah, oh, fais chier! Là, pour le coup, je savais pas. Je pensais que vraiment fallait les buter d'une manière ou d'une autre. Je pensais sincèrement qu'il fallait les buter d'une manière ou d'une autre, tu vois. Peut-être en silencieux ou autre, quoi. Je l'ai eu! Parce que c'est là que c'est pas très cool pour Yara, quoi. Après, si tu les évites, tu auras toutes ces belles munitions et ressources. Yara s'en fout, son peuple a trahi donc bon. Alors techniquement, son peuple a trahi sa petite sœur, enfin son petit frère. Pour être très factuel. Putain, mais comment je fais pour pas savoir viser, bordel? Mais c'est un délire! C'est... J'ai trop mangé. C'est vrai que son peuple a pété le bras, j'avais oublié ce petit détail de bras. Ouais, ça joue ça en fait. Ouais, ouais, non, c'est pas faux au final. Oh, attendez, ça va être cool ça là. Oh là là, les dégâts que je vais faire au cac là! Po, ça va faire mal ça. Oh, ça va faire bobo ça. Oh là là! Là, va y avoir du carnage là. Oh, va y avoir Rambi qui va être de retour là. Oh là là! Alors là, j'ai la serpe améliorée là. Je suis panoramix guerrier. De tous les connards. Jusqu'ici, ouais, 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 là c'était. J'étais doux encore. Faut pas qu'elle s'échappe! Voilà! Ok. Ah, jusqu'ici j'étais encore dans la douceur. J'étais encore Icekel le gentil, tu vois. Là, là on est. Oh, putain. Là c'était en mode guerrier. C'était tu vois. Chaud. En plus il y a plein de belges. Oh là là, le shotgun est full munition. Sans déconner. Ça j'ai bien fait de faire un soin. Ok. Alors, tac, un petit soin bonus, ça c'est chouette. Le nombre de médocs sur ce chapitre est dingue. Ouais, là t'es, mais là t'es bien là, côté munitions et tout. Mais bon, c'est que ça va être la baston quand même. N'hésitez pas à me dire hein, si je rate un gros bouquin ou autre, une baraque que j'oublie de fouiller ou quoi que ce soit, un bouquin jaune, une arme ou autre, balancer. Hein. Tu peux peut-être activer les compétences. Non, je l'ai fait juste avant, James. Tu n'as point à regarder. Shame on you. Shame on you. Ah, il y a un petit passage caché. On pète la planche. J'ai cru qu'on allait faire une kill bill. C'est ici. Allez. Ton bras, ça va? Pas vraiment. Moi, c'est honnête, écoutez. Par là. Young girl, man in black.
Tellement cool le premier Men in Black. 2 et 3, bon. Le 3, le seul intérêt, c'est la montre. On prendra qui pourra. Alors. Pardon, j'ai mis que le son, je suis en voiture. Donc en fait, t'es en voiture et t'es en train d'écrire. Tu sais que je banne des gens pour ça, James. Tiens, la première. Si t'es encore en voiture, à tout à l'heure. Bim. Pas une blague du tout. Hein. C'est un ban sans méchanceté, vous voyez, mais c'est un ban en mode arrêtez d'être con et n'écrivez pas quand vous êtes en voiture. Je sais qu'il a mis un capa, mais on sait jamais. On sait jamais. Ça peut être un capa en mode trop lolo, quoi. Voilà. Que vous écoutiez en voiture, je trouve pas ça choquant pour le coup. Je vois pas, y'a rien de plus choquant d'écouter un stream ou d'écouter de la musique. Par contre, d'écrire en voiture, ça c'est moins bien. Oh non! Non, c'est pas la, c'est pas Lev. Maman. Ah, putain, ils ont tué la mère. Ah non, c'est Lev qui l'a tué? Oh, Dieu merci. C'est elle qui a fait ça. J'ai juste essayé de lui parler. J'ai essayé de lui faire comprendre. Mais attends, la mère s'est suicidée? Elle n'arrêtait pas de crier. Oh putain. Puis elle s'est jetée sur moi. Ah non, Kevin, c'est ça, il l'a attaqué. J'ai essayé de l'arrêter. Je l'ai poussé pour l'éloigner de moi. Elle s'est cognée sur la table. Putain de fanatique. Tu t'es défendu et c'est tout. Tu n'as rien fait de mal. Faut bien se passer, je te le promets. Ah, ça y est. Salut. Viens. Allez-y. Yara, je... J'aurais jamais dû me faire. Je suis contente de te retrouver. Putain de fanatique. Pas looté ici. T'as l'air la Queenie. Ça va aller. Elle nous protège. On devrait pas aller chercher le bateau. Non, j'entends des coups de feu là-bas. J'entends des coups de feu partout. Il y a plein de bateaux à Haven. C'est à ça que je pensais. On peut couper par la vieille ville. Il faut éviter les routes principales. C'est loin, Evan. C'est pas tout près, mais c'est notre meilleure chance. Continue à nous suivre. Ok, allez-y. Donc à ce stade-là du jeu, Nora est morte. Abby ne le sait pas encore. Mais donc Owen et Mel... Ah non, Owen et Mel sont pas encore morts. Ils meurent à la fin du jour 3, c'est vrai. Owen et Mel ne sont pas encore morts. Je m'attends à ce qu'elle va les retrouver, justement. Parce qu'elle sait que tous ses amis sont morts, donc bon. Ouais. Tu m'as donné envie d'Access of Us 2. Toujours un plaisir, la Queen. Toujours un plaisir. Je suis là pour ça. Tout ceci, évidemment, n'est qu'une part d'une grande conspiration pour vous faire consommer des jeux vidéo. Je suis évidemment payé par absolument tous les studios, bien sûr. Ça va de soi. Alors... Comment va ton bras ? Et ça n'a rien à voir avec le fait de vous partager des jeux top pour faire passer un bon moment et vous faire découvrir ou redécouvrir les petites merveilles du jeu vidéo. Alors, pourquoi il a fallu que ça lui arrive? Avoir la foi ne rend pas immortel. La vie est une succession d'épreuves. Elle nous quitte.